Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur une toute nouvelle série, une possible toute nouvelle série Arc. Du coup, avant de la lancer, je voulais en discuter avec vous et vous poser plein de questions. Donc déjà, vous voyez qu'on est en facecam. Coucou! Alors, la facecam, je sais pas si vous la voulez, par exemple pour cette série-là. Je ne dis pas sur toutes les séries parce que je suis vraiment pas à l'aise, il va falloir le temps que je m'y fasse. J'aime pas ma tronche, donc de savoir qu'elle va être là en permanence, c'est assez troublant. Donc dites-moi si pour cette série-là, vous voulez la facecam, et je ferai l'effort pour cette série-là de mettre la facecam. Donc la webcam. Quoi d'autre? Donc c'est une série, bonjour la dinde, je la touche surtout pas, sinon je suis morte en 2 secondes. Voilà mon perso, en plus j'ai fait Mumuse avec des cheveux, c'est Arc Bimbo. D'ailleurs on peut remettre d'autres cheveux si vous voulez, comme ça vous allez m'aider à choisir, parce que je sais pas quoi choisir. Bon, celle-ci elle est vraiment trop. Il y a ça aussi qui était pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous préférez comme cheveux. Arc Bimbo. Donc je voulais faire un arc zoo. Et donc un arc où vraiment pour vous. Énormément pour vous. Faute de pouvoir jouer avec des abonnés parce que j'ai vraiment des horaires compliqués. Étant une jeune maman, je l'avais encore jamais dit. Et du coup j'ai des horaires vraiment très compliqués déjà pour enregistrer. Alors en plus pour enregistrer avec du monde, pour le moment c'est très compliqué, j'en ai envie, mais c'est compliqué. Je suis pas trop me balader parce que je vais me faire bouffer. Et donc du coup ce sera une série vraiment pour vous, parce que moi ce qui me fait triper dans Arc, bah, c'est les animaux, c'est avoir des tas d'animaux dans tous les sens. Vous vous adorez parce que vous me demandez telle bête, vous me donnez des tas de noms. Et donc, j'avais envie de faire un zoo, mais vraiment un zoo, un immense, gigantesque parc, un extra Jurassic Park, avec des immenses enclos, des volières, etc. Maintenant, il y a même des modes qui permettent de mettre des volières. Un arc très modé, pour m'aider à faire ce zoo, parce que je voudrais faire un zoo un petit peu futuriste. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet, est-ce qu'on le commence maintenant, ou est-ce qu'on en... On attend la sortie de l'arc technologique, le tech tier, si je me trompe pas de nom, pour que ce soit encore plus futuriste, même si je ne sais pas si ce serait très utile pour ce genre de projet. C'est déjà une question. Donc une deuxième question. Et donc voilà, ce serait vous faire un super méga parc avec des tas d'animaux, toutes les espèces de arc en rajoutées à chaque sortie de nouvelles espèces. Des espèces que vous nommerez, faire également de la reproduction, du coup, essayer de faire vraiment de la repro avec un petit peu tout le monde, tous les bébés possibles. Donc voilà, je me balade, hein, parce que bon, puis même si je meurs, ça va vous faire marrer, ça va nous occuper. Donc ma question, c'est... Alors déjà, je suis sur la map principale, et je me rends compte que ça faisait un bail que je n'étais pas venue en automne. Je suis sur l'île principale hein, de Arc. Me dites pas telle map, je veux faire sur cette map là. Déjà parce que c'est celle que je connais le plus. Et ensuite parce que c'est celle qui est le moins buggée aussi. Parce que The Center, j'ai quand même beaucoup de soucis de pixelisation, de petites choses bizarres dessus. Et en plus, on a déjà une série partout. On a une série sur The Center avec Il était une fois Arc, la mini-série roleplay où je vous raconte une histoire. On a Scorched Earth également. Donc là, ce serait une nouvelle série, donc forcément sur une nouvelle map, même si c'est une map que vous connaissez bien, mais c'est pas plus mal. Voilà, il y a encore une dinde. La dinde d'Halloween. Et donc, moi je suis en culotte tranquillos. Bonjour madame la dinde, 250, oui, non mais je vous embête surtout pas. Du coup, donc ce serait cette map là, c'est sûr. En fait, j'ai cette idée de partie depuis... C'est bon. Oh, bah je le connais pas lui. Ah mais c'est un de ceux qui viennent juste de sortir ça. Alors, je pense pas que ce soit agressif. Je crois pas. Tu m'aurais déjà bouffé, hein. Donc c'est un tu ressembles à du varan. T'es très... Ah tiens, tu te manges viande crue supérieure. Ah, tu te nourris à la main, toi. Alors, de la viande crue supérieure, crois-moi bien que c'est pas tout de suite que je vais en avoir. Ok. Donc voilà, avoir tous ces animaux-là dans des grands enclos, dans des soit en solitaire, soit en couple, soit en meute, soit en troupeau, selon les espèces. Essayer de faire quelque chose le plus cohérent possible.
Du coup, je ne sais plus ce que je disais avant d'avoir vu le gros lézard. Enfin, voilà, vous comprenez. Et en plus, avec la webcam, c'est l'angoisse. Ma timidité ressort, alors que ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'essaie de me reprendre. Ah oui, voilà. Je voulais parler de Scorched Earth, parce que Scorched Earth, on arrive au bout. Je sais que vous m'avez dit de la continuer, même maintenant que j'ai les wyvernes. Ah non, non. Aïe, 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 aïe. Voilà. Elle va pas aller dans l'eau. Mais effectivement, dans Scorched Earth, on arrive au bout, hein, les gars. On arrive vraiment au bout. Alors, il me faut encore la wyverne de poison. J'en profiterai pour, quitte à faire regrandir encore une wyverne, pour faire également, aller en rechercher d'autres, faire un petit groupe de wyvernes. Bon, ouais, ce serait sympa de vraiment de s'amuser avec 5-6 wyvernes et voir un petit peu ce qu'on fait sur les vers des sables, etc. avec. Il faut que je fasse les grottes aussi, même si toute seule, à mon avis, ça va être très très compliqué. Mais je vais au moins essayer une grotte. La dernière que je vous ai montrée, on va la faire, c'est sûr. On essaiera peut-être une autre quand même par curiosité. Mais voilà, on arrive au bout. Je peux toujours tuer suffisamment de wyvern, avoir essayé d'aller chercher les artefacts donc dans les grottes pour aller voir la manticore, histoire, parce que la manticore, je la tuerai jamais toute seule, faut pas rêver. Donc vraiment histoire d'aller voir la manticore, de dire que je suis allée la voir. Mais après on a fini quoi. Donc ça, même en rajoutant les nurseries que je veux faire, tous les bébés que vous m'avez demandé, franchement 5-6 épisodes gros max, je pense qu'on a terminé Scorched Earth. Donc si vous voulez pas que ce Scorched Earth se termine, bah donnez-moi d'autres idées, de choses que vous voulez voir sur cette série. En tout cas, voilà, elle finira quand même à un moment donné. Ensuite, il y a la série RP. La série RP, il n'y a qu'un épisode par semaine parce que c'est vraiment très compliqué à faire. On dirait pas, hein, c'est des épisodes d'une douzaine de minutes. Mais c'est vraiment, vraiment très, très, très difficile à faire. Je les écris à l'avance, je les réfléchis à l'avance, je fais mes textes par-dessus, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, et j'avais cette série en tête. Faut quand même récolter des trucs pendant que j'y suis. J'avais cette série en tête depuis un petit moment, et donc je me disais quand même, hein, oui, non, faut, voilà. Faire un zoo, ce serait quand même extrêmement fun. Pourquoi j'ai pas la pique? La pipique. Pourquoi j'ai pas la pique? Parce que je l'ai de base. Ok. Ok. Au moins avoir ça. Vas-y, ma belle. Et donc voilà. Le souci, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de voir un zoo? Un zoo hyper modé, donc on a dit. Ou est-ce que non, ça vous dit pas du tout, c'est pas le genre de choses. Et c'est gros, hein, par rapport à ma bonne femme. Ouba, ouba, ouais, ouba. Alors c'est là, en fait, on est à poil sur une île déserte avec des pioches géantes. Mais alors on a une coiffure, et sérieusement, quoi, elle sort du coiffeur. Sérieux, elle sort du coiffeur. Vous voyez les cheveux en vrai, quoi, ce que ça donne. Vous voyez là, les cheveux, tout ça, là. En vrai, c'est pas aussi beau. C'est pas aussi beau que ce truc. Sérieusement. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. Ah ouais, j'ai tourné en rond en fait. Je me reconnais bien là. Ah oui, c'est parce que j'avais voulu traverser, mais il y avait... on essaie de traverser ailleurs. Bah voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, parce que comme d'habitude, je ne sais pas... Ah, qu'est-ce que t'as, non? Comme d'habitude, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc je sais plus du tout ce que je vous raconte. En tout cas, je vous ai posé... Ouais, c'est bon, hein, c'est celle-là. Je vous ai posé mes petites questions. Donc, est-ce que... Ah ouais, je suis fatiguée. Attends, vas-y, vite. Prends de l'énergie. Vite. Ah non, 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 non. Maman chérie, le sarco. Donc voilà. Ça va être un tout petit épisode parce que je vais pas jouer indéfiniment si vous en foutez de cette série. En plus, j'ai pas installé tous les modes que je voulais. J'ai pas installé tous les trucs que je voulais. Je veux qu'on voit les dégâts. Je veux avoir beaucoup plus de points quand je passe de niveau parce que sinon on pourra jamais mettre des tas de modes. Allez, on va quand même respawn pour rigoler. On peut essayer de taper dans une dinde pour que vous voyez ce que ça fait. Ah ouais, à chaque fois qu'on meurt, faut se remettre... Merde. À chaque fois qu'on meurt, il faut se remettre les cheveux.
Ah oui, et en plus, ah oui, bah oui, j'ai perdu mon inventaire, donc j'ai plus mes cheveux. C'est dommage, ça. On est moche, du coup. On est plus réaliste. Ça, c'est plus réaliste. C'est moche. C'est moche, mais c'est plus réaliste. On fait vachement moins bimbo, du coup. Ce serait bien de trouver d'autres bêtes qu'on... Oh, un œuf. Un œuf de par hasard. Alors, vous m'attaquez parce que j'ai pris votre œuf alors qu'on est en train de vous bouffer. Sérieusement, ça fait des dégâts ça? C'est pas des dégâts ça. Oh, un petit peu. Ah si, quand même, en fait. Allez, quoi, c'était qu'un œuf. Eh, vous êtes pas cool. Moi, je voulais embêter une dinde en plus. Oh, foutez-moi la paix. Je pense que ça va courir plus vite que moi. ça court moins vite que moi, mais alors de pas grand-chose. J'espère que celui-là, il va pas m'attaquer aussi. Allez, quoi, c'était juste un œuf, vous en prendrez d'autres. Ils sont toujours là? Ah oui, ils sont toujours là, mais... Ah ouais, non, ils perdent, mais c'est moi qui... Ah, foutez-moi le camp, je vais mourir par du paracer, c'est une blague. Ah là là. Je vais en profiter pour tester d'autres modes. Là, j'avais voulu tester un mode, il y avait un code de blueprint que vous avez dû voir. Ça marchait pas, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit avec. Bon, les essais ne vous fait. En tout cas, j'essaierai vraiment. Bah oui, il y en a un qui se barre. Mais c'est une blague. Donc, essayer des modes pour faire des cages, essayer des modes pour faire donc des volières. J'en ai vu un nouveau. Je vous mettrai bien sûr la liste comme d'habitude. Faut que je joue avec mes mains, ça fait du bruit. Alors, allez, on fait craquer les os. Voilà. Donc, ce serait du super modé. Et donc, la question c'est caméra ou pas? Dites-moi non, dites-moi non, dites-moi non. Est-ce qu'on attend le tech tier? Je vous laisse vous battre entre vous. Moi, je vais aller par là. Quel mode? Est-ce que un zoo, ça vous dit? Parce que de toute façon, c'est le but de refaire une nouvelle partie. Donc, si ça vous dit pas, je ne ferai pas de nouvelle série arc pour le moment. Ah oui, et il restait le souci. Je crois que j'ai voulu vous en parler. J'ai dû commencer, oublier. Il reste le souci du temps. J'ai énormément, énormément de séries en cours. Et donc, pour faire cette série-là, bah, il y aura qu'un épisode par semaine si je la lance. Et une fois qu'il y aura la série Scorcher Earth de définitivement terminée, dans ce cas-là, on pourra faire comme Scorcher Earth. Et j'ai croisé un compi. On pourra faire comme Scorcher Earth, en avoir au moins deux par semaine. Scorcher Earth, on en a Carnot. On en a 2 à 3 par semaine avec leur série. Donc du coup, on fera pareil. Mais tant qu'il y aura Scorched Earth, qui est la série principale, vous aurez qu'un épisode par semaine parmi tous les autres. Il faudrait vraiment que je trouve le temps de vous mettre 2 épisodes par jour pour faire vraiment tout ce que je veux. C'est compliqué, c'est compliqué. J'y arriverai à vous mettre tout ce que je veux. En fait, j'ai trop d'idées par rapport au temps dont je dispose. C'est toujours le problème. Ok. Je vais pas continuer indéfiniment. Puisque bon, le but, comme je vous ai dit, c'est de vous poser des questions. Là, j'ai pas encore tout modé, fait tout comme je voulais, de toute façon. Donc voilà. Bah voilà, hein, vous avez plus qu'à me répondre. Hein. Donc je vous laisse ça. On a 12 minutes. Hein. Ça sert pas à grand chose. C'était pour vous montrer. Et bah, vous me dites ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée et que vous en avez rien à faire. Voilà, j'attends vos avis et en attendant, bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci à tous de me suivre, c'est génial, la chaîne monte vite. Elle monte plus ou moins vite, ça dépend des moments. J'ai des vidéos qui marchent bien, d'autres moins, des séries qui marchent bien, d'autres moins. C'est que des séries que j'aime bien en tout cas. Vous êtes adorables avec vos commentaires, j'ai plein de pouces j'aime. Continuez, continuez les commentaires, continuez les abonnements, continuez les pouces j'aime, c'est avec ça que la chaîne va vivre de plus en plus, et plus la chaîne vivra, et plus moi je pourrai également vivre avec, et du coup, bah, travailler pour vous en fait. Plus ce sera simple pour moi de me dégager du temps pour faire uniquement ma chaîne, exclusivement ma chaîne, ça ce serait vraiment extraordinaire. Pour le moment, j'ai un emploi du temps un petit peu compliqué. Mais si vraiment j'en venais à faire que la chaîne, vous aurez plus de vidéos. Alors continuez, enlevez Adblock sur la chaîne et sur la chaîne des youtubeurs que vous aimez, c'est super important pour eux. Et continuez à être aussi présent, c'est vraiment génial. Je vous dis merci, merci. Je profite de temps avec Cam pour faire des gros poutous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.